Patricia Butel, vous allez présenter Jazz Poème dans le Quintet de jeudi à Auteuil. On peut dire que c'est vraiment une très très belle référence dans ce type d'épreuve. Oui, 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 c'est un chic cheval qui nous fait plaisir à chacune de ses sorties et qui vient de très bien se comporter dernièrement lors de sa rentrée. Alors, est-ce qu'on peut attendre des progrès, une forme montante sur sa rentrée? Alors, je pense parce que le cheval était parti au repos, donc il avait quitté l'écurie pour plusieurs semaines, donc je pense qu'il n'était pas encore à 100% quand il a couru. Donc, c'est un cheval qui est, selon vous, capable de remporter à court terme une épreuve de ce genre? Ah ben oui, j'en suis certaine et il le mérite très fortement puisque il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses, tous ces événements et il mériterait fortement d'en remporter un. Alors en plus, il va retrouver des œillères australiennes cette fois-ci. Hein. Oui, oui, la dernière fois c'était une rentrée, comme je vous ai expliqué, il n'était pas à 100%. Je voulais prendre un petit peu la température, donc je l'ai pas muni d'œillères australiennes. Là cette fois-ci, on lui remet. Et l'état du terrain, est-ce que cela vous inquiète ou est-ce qu'il va partout? Il va partout. Non, il n'est pas. Je pense pas que ce soit une question de terrain. Donc tous les feux sont ouverts pour résumer, quoi. Écoutez, oui, le cheval est vraiment en bel état. Il a bien travaillé. Maintenant, il faut que tout se passe bien, qu'il ait un bon parcours et sa place devrait être à l'arrivée.